Hey yo tout le monde, c'est Meumeu, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc une vidéo présentation char, une vidéo présentation sur le dev server. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, je suppose que vous avez vu, hein, de présentation du Léopard 2 à 5. Car oui, on est mercredi soir, il est 22h, ouais 21h30 là. Le dev server a ouvert à 20h à peu près. Le problème c'est qu'il est très saturé, donc très instable. Et donc voilà, donc je vous retrouve pour cette petite vidéo présentation. Funkyman m'a encore prêté son compte, hein. Un énorme merci à lui, franchement, enfin, ça fait trop sympa. Il est vraiment trop sympa. Du coup je vous retrouve pour la présentation du 2 à 5 qui, vous allez le voir dans quelques instants, hein, mais est clairement plutôt très OP. c'est bien le cas de le dire, je pense. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder par le petit armement. Donc l'armement, alors je vais pas vous montrer tout de suite les blindages parce que sinon ce serait pas drôle. Donc pour ce qui est de l'armement, donc c'est le même canon que le Léopard de A4, donc un Rheinmetall de 120 mm L44, donc disposant de 42 munitions, d'une vitesse de rechargement de 6 secondes, d'une horizontale guidance, donc une tourelle qui fait 360 degrés, un guidage vertical de moins 9 degrés et une élévation de 20 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Après c'est assez standard en général sur ces chars ASBR, hein, c'est les données, enfin les valeurs à peu près courantes. Également une vitesse de ciblage de 32 degrés secondes. Donc j'ai pas l'équipage à fond, mais c'est pas grave, hein, vous verrez, je mettrai l'équipage à fond avant d'aller dans le gameplay. Et du coup on verra, en fait je vous montrerai la différence une fois en game. Pour ce qui est de la vitesse de ciblage verticale, 32 degrés secondes, ce qui est juste énorme, hein. Parce que ça veut dire qu'en moins d'une seconde, vous avez votre canon qui est monté. C'est assez cheaté. Et forcément, bah, vous détez bien un stabilisateur de Zax qui est tout à fait normal ASBR. Donc voilà. Pour ce qui est de l'armement, il y a une petite mitrailleuse. Allez, on va pas l'oublier, hein, ce serait triste quand même. Une petite mitrailleuse de 762 MG3A1. Et je sais pas si... Non, il n'y en a pas en coaxial. Il n'y a que la mitrailleuse de toit. Bon, elle a 2000 munitions, donc voilà. On va passer sans plus tarder aux munitions, donc modifications. Donc les munitions, ça change pas de ouf. Vous commencez avec la DM23, donc la munition assez standard, hein, sur le canon du sur le canon L44. Ensuite la DM12A1, donc c'est les mêmes munitions que sur le Léopard de A4, pardon. C'est exactement les mêmes munitions, hein, forcément, qui dit même canon dit même munition, c'est logique. Je trouve que les munitions sont pas ouf, après elles sont efficaces quand même à leur bear, hein, c'est bien connu. Mais en proportionnalité avec le chat, en fait, je trouve que là pour le coup, je trouve que le blindage est devenu bien meilleur que la puissance de feu. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, enfin, c'était plutôt assez équilibré en fait sur le 2A4. Le blindage était à peu près proportionnel à la puissance de feu, voire la puissance de feu était peut-être un peu meilleure. Là sur le 2A5 c'est totalement l'inverse, hein. Celle-là on a un blindage et une armure qui est juste incroyable, qui est démentielle, et une puissance de feu qui est un peu laissée en retrait, mais c'est une puissance de feu, je pense, qui sera encore utile, on va dire, efficace pour son BR. A voir ce que ça peut donner contre des M1A1 ou des T80U ou quoi. Je ne me prononce pas là-dessus. C'est encore les valeurs du dev server, comme je le dis souvent, hein, c'est encore les valeurs du dev server, donc on verra ça ultérieurement. Donc il dispose également, hop, donc de 16 lance-smoke, donc 4 ici, 4 ici, 4 ici, 4 ici. Voilà. Pour ce qui est de la disposition des membres d'équipage, nous avons 4 membres d'équipage. Un conducteur à l'avant, le tireur et le commandant qui se situent tous les deux sur la partie gauche de la tourelle, et le chargeur qui se situe sur la partie droite de la tourelle. Alors, on passe vite fait comme ça. Pour ce qui est du blindage, c'est clairement ce que je vous disais, c'est le point fort de ce char. Pour moi, c'est clairement le blindage du 2A5, c'est son point fort, c'est ce sur quoi il faut jouer. Il dispose
d'un blindage frontal, donc de 500, ta, 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 600, 645 mm, 645 mm de chaque, non, du côté du chargeur, 645 mm. De l'autre côté, c'est un peu moins. De l'autre côté, on est sur du 520, on est sur à peu près du 500, entre, ouais, à peu près 535, 540 mm, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est déjà très efficace. Mais vous allez voir, c'est pas vraiment ça qui lui donne sa force. Autour du mantelet, on est sur du 350 plus 280. Là, le mantelet et la culasse, ils sont protégés à fond, à fond, à fond. On est sur plus de 700 mm de blindage, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un blindage qui est ultra violent. On a une épaisseur, c'est un truc de folie. On se retrouve avec 1 mètre de blindage dans le char, voire 2 mètres de blindage dans le char. Enfin bref, c'est un truc de fou. C'est vraiment du blindage de gros port. Donc on peut voir par contre que la culasse est un petit peu exposée devant. Donc vous voyez, hein, on le voit bien ici. Vous voyez là, hop, on prend le canon. Ici, vous voyez, hop, la partie juste là, là en fait, c'est la culasse. Donc bon, elle n'est pas très bien protégée, mais en fait, elle est mieux protégée que ce qu'on croit. Là, on croit au rayon X, pardon, qu'elle n'est pas du tout blindée, alors que si, en fait, elle est hyper blindée. Alors également, je passe vite fait là-dessus, mais vous voyez que sur les flancs, c'est pareil, le blindage est juste énorme. Donc, on a pareil un blindage qui est juste ultra violent. Enfin, voilà, c'est vraiment vraiment balèze. À part de ce côté où le blindage, là, c'est juste de les petites plaques blindées. Mais sinon, et de ce côté aussi, du côté du tireur, c'est étonnant parce que c'est du côté du tireur et du commandant que le blindage est moins effectif et le moins violent. Donc c'est vachement bizarre. Sur les côtés également, on a les réservoirs de carburant qui encaissent vachement, je trouve, les réservoirs de carburant. Franchement, ils prennent bien, notamment tout ce qui est HIT et HITFS. Ça encaisse plutôt bien. J'ai joué contre un peu avant, là, avant que Funky Man me laisse son compte, et je trouve que ça encaisse vachement. Pour ce qui est du blindage frontal, donc on a un blindage qui tourne aux alentours des 610, 615 mm, à peu près, ce qui est pas mal du tout. Ouais, non, plus 600 en fait, ça fait 600 piles en comptant. J'étais en train de regarder. Donc en gros, sur la caisse, on est sur du 600 mm, et au niveau du mantelet, au niveau de... c'est bien évidemment, c'est que pour les munitions chimiques, hein, tout ce que je note là. Ces munitions chimiques, on est déjà sur un blindage qui est très efficace. Alors, pour ce qui est des munitions cinétiques, on va passer sur du blindage standard. Là, ça commence à être un peu plus violent parce que vous voyez, là, on a déjà 200 mm en plus. Et là, sur la caisse, on n'a pas spécialement beaucoup. Mais je pense que c'est le composite qui fait ça parce que regardez, je vais vous faire un test de protection analysis. Et là, vous allez vous rendre compte de la puissance de ce truc. Vous allez vraiment vous rendre compte de la puissance. Imaginons, hein, je prends à 500 mètres. Hein, c'est à 500 mètres, c'est déjà proche. Hein, c'est déjà du combat à rapprocher. Hein. Au niveau de la caisse, vous percez strictement rien. Vous êtes à 780, 800 mm avec les chenilles. 750, c'est impénétrable sur l'avant et le bas de caisse. Le bas de caisse, c'est pareil. Hein. À part tirer vraiment en bas. Regardez, vous voyez là, ça fait des coups. Et encore, vous overpenez. Enfin, c'est vraiment, vous faites presque rien. C'est assez impressionnant. Le châssis, pour vous dire, je sais pas si vous voyez, hein, mais le bas de caisse en fait est tellement blindé que regardez, quand vous tirez une flèche sur la caméra là, elle ricoche à l'intérieur même du char, pour vous dire comment le truc est blindé. Ici, par ici, apparemment ça passe, mais bon, vous voyez que vous faites pas énormément de dégâts, donc c'est pas ouf. Là, vous arrivez à faire les 3 membres d'équipage quand même, c'est pas trop mal. Donc je pense que la solution pour moi, quand vous allez jouer la MX-40 et que vous allez croiser un 2 à 5, ça va clairement être de tirer. Sur la plaque là, au niveau de l'optique du conducteur, ça a plus de chances de passer et de faire des dégâts qu'ailleurs. Bien que ça risque d'être très compliqué à viser, parce que lui il va pas peiner à vous percer en MX-40, alors que vous allez vachement devoir viser pour le tuer. Là, je tiens à dire qu'en tirant ici, en fait vous tuez les 3 membres d'équipage, donc vous tuez automatiquement le char. Le mec meurt instantanément, c'est du one shot. Après, faut réussir à le viser et faut que ça fasse pas un troll boon sur une conne comme ça. Parce que là, le char est statique, l'obus est statique. Enfin, est statique. L'obus part d'un point fixe. Donc, je pars du principe que, voilà. Après, quand le mec aura ses membres d'équipage montés à fond et tout, déjà, ça sera beaucoup plus dur, à mon avis. Donc, à l'avant, voilà. Bon, il y a des endroits, ça bounce, il y a des endroits, ça perd. C'est pas forcément ouf. Et le pire, c'est la tourelle. Alors, la tourelle, je vous en parle même pas, prenez peur, on tombe sur du 1325 mm de blindage. On est sur du 1325, 1400 mm, c'est un truc de gros gros malade, 2500 mm,
Là, si vous tirez à la jonction entre les deux, c'est un truc de fou. C'est juste inviolable. Sa tourelle est pour moi clairement inviolable. À la limite, vous tirez dans la mitrailleuse là. Mais c'est, enfin, pour moi, c'est la tourelle déjà la plus blindée du jeu. Clairement, le T80U là, il fait même pas le poids. Il n'y a rien qui fait le poids face à ce blindage. C'est un truc assez phénoménal. Vous percez strictement nulle part. Vous tombez sur des valeurs qui sont énormes. La seule solution, ça va être de faire le canon et de le contourner ou de lui tirer dans les flancs. Et même dans les flancs, pensez bien que dans les flancs, votre flèche allait amortir. Regardez, je vous prends 90 degrés côté de tourelle. Là, vous allez taper les munitions à l'arrière et encore pas faire beaucoup de dégâts. Ici, vous allez tirer, ça va rien faire. Là, clairement, hein. Ici, avec de la chance, hein, bien évidemment, en tirant un peu ici, ça risque de passer, mais ça risque aussi de bounce. C'est énormément troll bounce. Sa tourelle est très, très, très troll bounce. Vous voyez, ça passe juste ici, là, vraiment à 90 degrés. Dans les flancs. On a les réservoirs de carburant, comme je vous disais tout à l'heure, hein, parce qu'il faut se dire que le Léopard 2A5, c'est beaucoup de vide, en fait. Et du coup, vous avez les réservoirs de carburant qui amortissent pratiquement tout. Et bien évidemment, les membres d'équipage, pour la majorité, étant surélevés par rapport à la caisse, vous n'allez pas forcément faire le tireur. Donc là, en fait, il faut vraiment réussir à bien viser. Et ça risque d'être très chiant, parce que s'il a la tourelle tournée, le tireur sera pas forcément aligné. Enfin bref, tout ça pour dire que, clairement, il a un blindage monstre. C'est un truc de fou. Vous voyez des plaques de Nera l'avant, hein, un peu les mêmes que pour le Leclerc, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre, si ce n'est que ça va être, à mon avis, de mon point de vue, ça va être le char le plus cheaté, hein. Je vous fais la conclusion un peu en avance. Mais à mon avis, c'est le char le plus cheaté de son BR, hein. Donc j'ai peur de tomber contre lui, honnêtement. J'espère qu'il tombera pas contre l'AMX 40, parce qu'à mon avis... Ça va pas être fifou tout ça, ça va pas être fifou, on va bien se faire ouvrir n'empêche, ça va être cool, ouais, on va adorer. Bon, j'arrête de parler et je vous laisse avec le gameplay, enfin je vous retourne plutôt dans un instant pour le gameplay. Sur ce, à tout de suite. Hop, donc voilà les gars, donc on se retrouve en game, j'ai pris 25 au deuxième 33. Donc là la partie vient juste de commencer, donc c'est cool parce que effectivement ce sont des parties qui ont déjà commencé. Donc là c'est cool, on se retrouve avec un petit char ultra stylé. Franchement il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il est vraiment juste trop beau. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et il est ultra efficace. Donc on va y aller. Bon, après la mobilité, il n'est pas extrêmement rapide, mais il n'est pas lent non plus. Enfin, il est un peu lourd, mais bon c'est normal, hein. Vu les épaisseurs de blindage que vous avez, c'est un peu logique. On va y aller, on va foncer sur B je pense. C'est un problème dans la ville quand même, mais j'espère qu'il y a de la team avec nous. Alors, il y a beaucoup de bots, comme vous pouvez le voir, hein, énormément de bots même. Quand on va croiser les doigts pour tomber sur des joueurs. Alors ce que je redoute le plus honnêtement, c'est des combats de 2 à 5 contre 2 à 5. Parce que là, c'est vraiment celui qui va le mieux connaître le char. J'ai essayé sur une game un peu avant de tirer dans le weak spot, mais le truc c'est que la flèche du A5 n'est pas assez bonne pour passer dans le weak spot qui est assez connu. Regardez, il y a un mec en 2K là qui veut passer. On va le laisser passer. Tiens, vas-y, va là-bas. L'idée de nous coller, c'est que... Alors j'aimerais bien savoir où sont les deux, vraiment avoir fait. Ok, d'accord, il vient de fumer un peu 82. Je sais pas du tout sur les alliés, ça m'inquiète un peu. J'espère au moins qu'on va rencontrer, parce que c'est pas tout ça, mais peut-être pas y passer la vie. On va aller sur C, ça va être bon. Regardez, nous on est des togs, on écrase les jardinières de fleurs, fuck la nature. J'ai vraiment peur de... Sur un 2 à 5, commandant Chenille. Oh oh oh, oh le shit, regardez, on l'a fait bounce. Alors, le 2 à 5 ne doit pas se percer tout seul. Mince, j'ai voulu tirer dans le canon. Oh, il a... oh je l'ai brûlé, nice. Il avait pas les extincteurs, on va tomber. Oh. Fort. Vous voyez, il encaisse sacrément bien de face quand même. Oh, wow, par contre là, je viens de prendre la note tourelle. J'ai pris le shot. J'aimerais bien savoir ce que j'ai pris le shot. On va smoke, vous savez quoi, par sécurité.
Alors le second pour l'air de son avis par 8. Ouh, il a réussi à tirer là. À moins que ce soit un obus qui est ricoché. Non, je pense qu'il a plutôt tiré dans la culasse. À mon avis, c'est plutôt par là qu'il a tiré. Je sais pas exactement. Mais en tout cas, ça nous a fait la culasse. Mais je pense que oui, il a tiré en fait dans l'ouverture. Enfin, dans l'ouverture de la culasse, là, l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure, là où la culasse dépasse un peu. Je pense qu'il a tiré là-dedans. Et du coup, ça nous a endommagé la culasse. La flèche allemande, c'est pas tout ça. Ok, bien, ça c'est bon ça. Ok, lui il détruit. Let's go, on fait demi-tour. On va voir est-ce qu'il y a des ennemis derrière. En vrai, ça, c'est les... il y a pas mal de gens qui farment ce soir pour le serveur. Ça c'est pas un joueur ça, c'est un bot. J'aimerais bien retrouver un ou deux joueurs. Il encaisse vachement, vachement bien. C'est impressionnant. J'ai l'impression de voir le Foch en meilleur quand on vient de sortir. Le joueur savait pas où tirer. Après je pense que là il vient juste sortir sur le serveur. Le jour où les joueurs sauront vraiment où tirer, il sera peut-être un peu plus. Et puis il faut vous dire qu'il y a quand même les nouveaux MBT, donc 81 et Abrams M1A1 qui vont sortir. Donc à mon avis ça sera aussi des contre-mesures pour le 2A5. Ça me paraît logique. À voir. Ok, on a notre allié qui est en train de littéralement détruire la bombe. C'est impressionnant. Lui, il est en train de faire tout le monde. Il est en train de détruire tous les bots. Lui, il veut le 2A5B. On va aller sur B, ça a l'air de caper. Peut-être que c'est un bot, j'en sais rien. Dans le pire des cas, c'est pas un bot. Enfin, dans le meilleur des cas, c'est pas un bot par contre. Ça, c'est cool. Et suspense, roulement de tambour, ce n'est pas un bot. C'est un 2A4. Et viens là petit 2A4. On va s'expliquer tous les deux là. On va aller au parler au bar. Ouh, la petite flèche dans le moteur qui rentre à l'intérieur et qui fait une rupture de quoi. Qui a mis qui peut genre de quoi. Elle a dû vraiment overturn le moteur, du coup c'est passé à travers tout le monde. Bon, on va pas caper, c'est pas l'objectif de la game. Enfin, si c'est l'objectif de la game, mais... D'accord, c'est bon, c'est bon. Mais, on est en vidéo présentation, donc on va essayer de trouver des ennemis. Hein. On va les laisser caper eux. Ouais, putain, il y a déjà un mec qui a 8 kills, bah après, peut-être qu'il a tué pas mal de bots aussi. Mais nous, on est déjà à 4 kills, sachant qu'on a tué qu'un bot, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à trouver moins de joueurs que ça. Après, il y a sûrement des joueurs qui ont déjà commencé. Vous voyez, hein. Mais là, pour l'instant, on s'est fait déjà tirer dessus un bon nombre de fois, et tout ce qu'on a pris, c'est un petit peu les noms de l'équipage, et encore, ils sont même pas morts, ils sont tous les temps de la vie, l'équipage. Donc c'est plutôt très cool. Et il reste encore du monde en vie à ce que je vois. J'aimerais bien savoir où ils sont. Mais où sont-ils? Quelle est la question? On a un bébé Panzer qui est contrôlé. Vous voyez quand même, il est vachement sympa à jouer. Enfin, ça c'est un joueur ça. Je pense que contre CMBT, bon après c'est lui, c'est normal. Les obus un peu plus anciens, tels que les obus BS7 ou les obus T54 par exemple, vous savez, les obus APHE, APCBC, des trucs comme ça, seront plus efficaces contre ce genre de char que des obus. Plus moderne en soi. Parce que aïe, je viens de prendre un missile dans la tourelle, ça c'est pas cool. Donc, il est mort, c'était machin Falcon. Ça c'est pas cool par contre. Alors vous voyez par contre sur le toit vous êtes assez fragile aux ATGM, hein. Je sais pas exactement où l'ATGM a tapé. Elle a tapé juste. Elle a dû taper sur le toit, et sur le toit vous êtes vachement fragile, je viens de perdre un membre d'équipage, donc la culasse. Bon après ça va, c'est qu'un membre d'équipage, hein. Vous en avez encore 3 en 8. L'objectif c'est de plus en perdre, pas en perdre plus. Oh! Autant pour moi j'ai eu peur d'un bot. On tire dessus. Hop, tac tac tac. Bon la game va pas tarder à finir, on l'a vu, ça va pas durer longtemps. On va continuer.
chercher des joueurs. Là-bas apparemment. Apparemment il y a un joueur par là-bas. Alors est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un vrai joueur? Est-ce que c'est un bot? Telle est la question, on va aller voir ça. Ah, ça peut être un bot parce que il y a un joueur. Donc ça peut être un bot. Toujours le big. Toujours le big late, je vais prendre des sur lui. Ah merci de me prévenir. Merci beaucoup à toi Big Late. Alors voyons voir le 2K, que va-t-il pouvoir faire contre lui? Pas grand chose malheureusement pour lui. Alors petit 2K, on est triste, on veut mourir. Tiens, je te fais ça, c'est cadeau. Allez hop. Bon après, les 2K, si vous jouez en réa, vous n'allez pas tomber contre, hein. Vous allez tomber avec évidemment. Mais bon, là en l'occurrence c'est des serveurs, donc voilà. Allez hop. Oh, là, peut-être. Le stabilisateur est hyper stable, hein. C'est... Ça se voit que c'est vraiment des stats modernes. Les stabilisateurs ne bougent pas. Dernièrement, je joue pas. Viens là, toi. Viens là, Chilka, là, je t'ai vu. Viens là, toi. Le sang de tes morts, je vais te manger. Le sang de la mort, il mangera. Et viens me tuer un Chirido en plus. Viens là, Chilka, je t'ai vu là. Oh putain. Bon, il est maniable. Assez pour être bien joué. Mais j'aimerais un tout petit peu plus de maniabilité. Voilà, Chilka, le sang de tes morts, je suis là. Oh putain, mais il y en a deux. C'est un gang. C'est le gang des Chilka. Et voilà, double rupture de coque. C'est beau ça, on aime. Bon voilà, ah, c'était un bon gameplay, hein. On a fait 9 kills quand même. C'est pas dégueu. Après, c'est pas trop difficile, on va dire, en jouant char. Donc voilà. Il est 21h50. Voilà, je vous donne l'heure en temps réel pour ceux qui veulent. Hein, sauf que comme la vidéo sortira plus tard, et bah, elle est pas en temps réel. Bon. Bon bah voilà, c'était un petit gameplay bien sympathique, j'ai trouvé ça bien kiffant. Si vous voulez un conseil, oups désolé pour Discord, hein, mauvais réflexe encore une fois. Si vous voulez un conseil, recherchez le 2A4, recherchez le 2A5 rapidement quand il sortira. Et faites la branche des Allemands parce que ça vaut le coup. En l'occurrence là avec un 2A5, ça vaut le coup. Le problème c'est que pour rechercher ce fameux 2A5, il faudra rechercher au minimum 6... Alors, soit... Non, 4. Ouais, là, c'est 4. Faudra rechercher 4 rang 6. Enfin, rang... Ouais, 4 rang 6. Donc, moi, je vous dis, les gars, bon courage. Parce que je les ai pas fait. Et que moi aussi, je vais douiller. Exactement pareil, vous savez quoi? C'est génial. Je vais douiller exactement pareil que vous. C'est trop bien. Moi, j'en suis au MOS, Tigre 205 et Léoparin. Donc, le 2A5, c'est pas pour tout de suite. Mais... On sait jamais, on sait jamais. Parce que vous savez ce qui se passe en général quand je suis en vacances. Je fais des rushs nation. Sauf que là, ça sera pas un rush nation. Ça sera un rush de A5. Voilà, exactement. Ça sera un rush de A5. Donc voilà, donc pour conclure rapidement sur cette petite vidéo, pour moi, le 2A5 sera clairement le meilleur char à rechercher. Et le meilleur char du jeu. À partir de la 1.87, clairement, tant qu'il n'y aura pas le Leclerc, ça sera le 2A5 le meilleur. Le M1A1 et le T80U ont leurs points forts, ont leurs points faibles aussi. Je pense qu'ils seront très efficaces également. Mais pour moi, clairement, juste de par son blindage, le 2A5 est bien meilleur que tous les autres. Parce que les Abrams et tout, autant vont se faire percer par la flèche du 2A5, autant le Abrams et tout ne va pas percer. Enfin, va difficilement percer le 2A5. Pareil pour le T80U. Hein. À mon avis, là, le rang 7, là, ça va devenir assez tendax, j'ai envie de dire. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker. Surtout, laissez un commentaire, parce que j'aime bien les commentaires. Hein, voilà. J'aime bien y répondre et tout. Et puis, n'hésitez pas à me poser quelques questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, et puis à partager les vidéos auprès des Discord, de vos potos, pour ceux qui en ont. J'espère pour vous en avez. Vous en avez. Et puis c'est tout. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.